Bonjour à tous. Depuis des millénaires, une technique ancienne a été utilisée à travers le monde pour promouvoir la guérison et le bien-être, les ventouses. Aujourd'hui, nous allons découvrir les mystères de cette méthode. Les ventouses, appliquées sur le dos ou sur la poitrine, ont un effet révulsif. Par succion de la peau, elles décongestionnent en profondeur. On utilisait cette méthode dans les cas de pneumonie, bronchite, mal de dos, mal de ventre. Bien que cela puisse paraître nouveau pour certains, cette technique est pratiquée depuis l'Égypte ancienne et au-delà. Il existe plusieurs types de ventouses, y compris celles en verre, en bambou, en silicone ou en plastique. La méthode traditionnelle consiste à chauffer l'air à l'intérieur de la ventouse, puis à la placer sur la peau. À mesure que l'air refroidit, une succion est créée. Mais comment cela fonctionne-t-il pour la santé ? Les ventouses sont censées augmenter le flux sanguin, favorisant ainsi la guérison et la relaxation. En plus d'améliorer la circulation, certains estiment que les ventouses peuvent aider à équilibrer le yin et le yang, ou l'équilibre énergétique du corps. Les ventouses ne sont pas seulement pour le dos. Certaines personnes les utilisent même pour des soins du visage. Cependant, il est essentiel de consulter un professionnel formé. Et rappelez-vous, bien que les ventouses puissent offrir de nombreux avantages, elles ne remplacent pas les conseils médicaux traditionnels. Alors, seriez-vous prêt à essayer les ventouses? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour d'autres découvertes sur la santé et le bien-être. À bientôt dans une prochaine vidéo Astuces Santé.